Salut les musiciens québécois, une petite tourne de la chicane, c'est ma première de la chicane, mais je trouvais qu'il y avait des accords intéressants dans cette tourne-là, fait que j'ai décidé de l'essayer, puis finalement, je me suis amusé pas mal. Premièrement, je la fais finger picking, mais vous pouvez la faire avec un pic, elle va être assez lentement, mais moi je préfère la faire, je me trompe moins quand je prends ça, mais on pourrait la faire avec un pic. Thank you.
peut la faire avec un pic, là. J'ai pas de pic, là, en ce moment, mais c'est parce que moi, je préfère utiliser mes doigts. J'ai plus de contrôle avec ça. Et puis, bon, le picking. On recommence une autre fois. Donc, ça soit, ben, à peu près tous les refrains sont comme ça. Les couplets, excusez-moi, les couplets sont comme ça. Au début, la guitare est seule. Puis un peu plus tard, on rajoute un petit peu de piano. À partir du troisième couplet, c'est un piano. Bon, les deux premiers couplets. On peut rajouter des petites fioritures. Donc on peut ouvrir un petit peu le ré pour suivre la chanson, mais c'est pas nécessairement ce qu'il fait. Mais quand on est seul avec la guitare, il faut à un moment donné, il faut remplir des petits trous. Si vous voulez jouer avec un orchestre, peut-être qu'il y a une autre guitare qui va faire un riff, justement, que vous n'aurez pas besoin de faire toutes ces petites fioritures-là. En passant, l'accord. On peut aussi faire cet accord-là. Mais c'est pas ce qu'il fait non plus. Fait que moi, j'essaie de respecter la chanson dans les accords, mais ça sonne bien aussi. Surtout pour la troisième fois. Parce qu'il fait quatre fois, là. Puis la quatrième fois, il va tomber sur un superbe accord qui m'a fait chercher un peu. C'est pas mal le seul accord que vous allez trouver un peu difficile, parce que les autres, il y a ça et ça. On va chercher le pouce, mais habituez-vous, c'est comme un accord, on le joue dans bien les chansons. Des fois, ça en remplace le. Ça se ressemble, c'est d'autres choses. OK? Donc. Bon, le premier coup, il fait ça. Il recommence. Le deuxième coup, il en fait un peu plus, un petit peu plus long. Entre. Puis il recommence. Mais là, après, là, on tombe dans le troisième couplet. Moi, je l'ai fait comme ça, puis si vous écoutez le piano, là, c'est un piano plutôt qu'une guitare, il fait sus 4, je pense, juste comme ça. Là. Le ré ouvert, il reste toujours ouvert, mais c'est les mêmes accords, mais on laisse la petite corde de mi sonner, sauf les deux derniers accords. Donc, ici, je te. Je trouve qu'en revenant, surtout quand on revient, des fois ça serait peut-être intéressant de faire comme on le fait quand on revient d'habitude, là, tu sais, c'est-à-dire. Comme ça, il sonne bien. De même, il sonne bizarre, en tout cas. OK. Donc, c'est à votre goût. Moi, je l'ai fait comme ça.
puis on revient. Là, il y a une petite passe à un moment donné. Juste pour voir le monde. Puis là, il continue, il retombe dans le couplet. Où c'est allé? Au lieu d'aller dans le, continuer dans le refrain. À un moment donné, il tombe à capelle là. Donc là, il n'y a pas d'accord. Puis il revient sur le ré. À un moment donné, il fait. Même si t'as compris. La moitié à peu près du refrain est faite à capelle là, pas d'accord. Mais j'ai quand même fait les accords juste pour question de synchronisation. Là, parce qu'à un moment donné, ça laisse un temps mort. Hein. C'est sûr, quand quelqu'un chante, on retombe dessus. Mais là, j'ai fait juste les accords comme. Faites les accords, puis après ça, on retombe. Encore la finale. Un peu ad-lib. On peut tout simplement tomber. Mais moi, je vous fais. Ça finit sur un la. Allez-y comme vous le sentez, comme on dit. Et voilà, ma première du groupe La Chicane, même si ça fait à peu près quoi, au moins 10 ans qu'ils sont séparés, ça reste des bonnes tonnes, hein?